Bonjour, vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, très bien. De quoi allons-nous nous parler aujourd'hui? On va parler de trois séries à ne pas voir sur Netflix. Oui, parce que nous, on est là pour vous faire gagner du temps. Ça. Voilà, parce que le temps... C'est précieux. Exactement. J'allais pas dire ça, mais... C'est de l'argent. C'est pas grave, non, c'est mieux. Ouais. Le temps, c'est précieux. Donc voilà, trois séries. Nous, on a voulu essayer et on a forcé, hein. C'est pas, on n'a pas regardé juste 5 minutes, non, on a dosé le truc jusqu'à la fin, mais non, c'était pourri. Bref, première série, s'il te plaît. The Midnight Club. Oui. Actuellement sur Netflix, qu'on a attendu, qui est sorti en décembre. Bon, peut-être qu'on en espérait un peu trop au final. Donc c'est 2022. Oui, 10 épisodes de 55 minutes. Oui. Et c'est du 16 ans et plus. Le genre, s'il te plaît. C'est du fantastique. Ça se veut horrifique. Ouais, ouais, mais... ça se veut horrifique. Ouais. Voilà. Peux-tu nous faire le pitch, mais en deux phrases? Le pitch en deux phrases. C'est une fille, une adolescente donc, qui tombe malade. Oui. Et elle en a marre de l'hôpital. Elle va aller dans une espèce d'institut pour adolescents malades. Donc elle va carrément vivre là-bas. Ils sont tous en phase terminale de maladie. C'est ça. Et ils se réunissent le minuit pour se raconter des histoires d'où qui font Midnight peur. Midnight Club, voilà, c'est ça. Vite fait, ton ressenti Oui, au début, c'était sympa. Ouais. L'ambiance est bonne. C'est comme une espèce de manoir, c'est agréable à voir. Maintenant, l'histoire est longue. Donc, tous les soirs, il y a un enfant, un ado qui va raconter son histoire de peur qui ne fait pas si peur que ça. En fait, on a l'impression de lire un livre de nouvelles. Exactement. Moi, ça m'a fait penser au cabinet de curiosité, une série d'anthologie. Ça veut dire que chaque épisode, bah, c'est une nouvelle histoire. C'est ça. Bon, là, dans cette série précise, il y a un lien, mais le lien, il n'est pas fou. Et les histoires, elles ne sont pas folles. Donc, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça ennuyeux. Et pour les adolescents, ça peut le faire, mais pour les adultes, voilà, c'est moyen. Deuxième série, s'il te plaît. Deuxième série, Lockwood & Co. Voilà, qui avait l'air aussi de très prometteuse, mais qui au final, on s'endort devant. Pourtant, c'est un top 2. C'est ça, top 2. Oui. 13 ans et plus, 8 épisodes de 45 minutes. Oui, le genre. Fantastique. Fantastique. Voilà. En deux phrases, le pitch, s'il te plaît. En deux phrases, le pitch, c'est... Enfin, trois phrases, allez. Ouais, c'est des élèves, enfin des adolescents, encore une fois, qui... comment on appelle ce qu'ils font? Bon, en fait, c'est des chasseurs de vampires, de démons, de fantômes. Pas de prime. Des je suis partie à l'ouest. Des chasseurs de fantômes. Voilà. Oui, voilà, ils sont mais... trois. Par exemple, la jeune fille conçue des débuts, elle n'a pas le choix de le faire, en fait. Elle n'a pas le choix et elle a un don d'ailleurs. Donc, non, mais en gros, non, mais part fantôme. La série en elle-même, c'est trois chasseurs de fantômes qui sont engagés pour faire une mission. Voilà. Ah ça, oui, quand voilà, tu pars directement quand elle rejoint son groupe. Oui, voilà. C'était en une phrase, le pitch. Hein. Voilà. Donc, c'est des adolescents. Ton ressenti. Qui vont y aller dans les maisons hantées pour savoir l'histoire du fantôme, pour essayer de l'aider. Du moins, la jeune fille sait ce qu'elle veut faire. Ouais, c'est bien. Les effets spéciaux. Ah, c'est bien. C'est bien parce que les effets spéciaux, ils sont agréables. Maintenant, l'histoire en elle-même, non. Puis ça tourne un peu en rond. Au final, c'est toujours pareil. Ils vont avoir plein de problèmes avec leur entreprise parce qu'on rappelle que c'est des adolescents. Je suis pas fan. Voilà. Pareil, moi, je me suis ennuyé. Et même en me plaçant, parce que ça vise directement les adolescents. Hein, c'est top 2, spécial, pas jeunesse, adolescent, attention, jeune adulte. Même en étant dans ces âges-là, moi, je me serais ennuyé. Parce que, Ah, tu crois? Ah ouais. Parce que l'intrigue, elle n'est pas folle. C'est ça. Les rebondissements sont pas très énergiques. Même les combats à coups d'épée. Moi, je me souviens d'un film, c'est SOS Fantôme. Dans ma jeunesse, ça remonte à 30 ans. Bah, c'était plus dynamique que ça. C'est et pourtant, c'est un film qui remonte il y a 30 ans. C'est vrai. Avec des lasers et tout ça. Là, ils se battent, ils font des duels d'escrime. C'est... Non. Mais remarque que les effets spéciaux sont beaux. Le crâne, tu parles Non, je parle aussi de la fantôme, par exemple, la femme. Ah ouais. C'était quand même bien fait. Mais tu trouves pas qu'elle est tristounette, cette série? Oui, elle, parce que c'est punch. Et puis c'est toujours sombre. Et puis les personnages, ils sont pas attachants, ils sont fades non, un peu. C'est pas du tout attachant, par contre, c'est vrai. Et c'est pas non plus réaliste. Ah oui, bah ça c'est fantastique, mais bon, ça oui, c'est non, mais le genre je parle pas de ça, simple. Je parle de leur lien entre eux, ça va trop vite, ça, tu vois.
Ils sont un peu trop enjoués, C'est vrai, un c'est peu, vrai, c'est voilà. vrai, Ça c'est m'a pas vrai. plu. Voilà. Troisième, c'est pas une série. C'est un film, donc un film précisément de 2 heures, Oui. qui se nomme 90 minutes au paradis. Oui. Il est top 7 et il date de 2015. C'est avec. Avec Hayden Christensen. Oui. Le célèbre Dark Vador de Star Wars. Je connais pas. La première trilogie. Ok. Kate Bosworth. 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 Oui. Et c'est un fait réel donc. Oui. Kate qui a joué dans. Superman. Ouais. Et elle a joué Superman et dans Blue Blue Crush. Crush, ouais. Ouais. Donc c'est tiré d'un fait réel. En fait, c'est un prêtre. Faut savoir, aux États-Unis, il y a une branche du catholicisme. Je crois que c'est les protestants. Les prêtres qui peuvent se marier et avoir une famille. Voilà. Et ce prêtre-là va en congrégation. Bon, bref, on va pas trop rentrer dans les détails. Il va avoir un accident de voiture. Il va être considéré comme mort pendant 90 minutes et il va revenir à la vie. D'où 90 minutes au paradis. Sauf que le pitch est très intéressant, dit comme ça. Sauf que moi, j'ai en espéré beaucoup. Ouais. Peut-être pas dans du fantastique, mais expérience de mort, vision de l'au-delà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il en ressort, est-ce qu'il est grandi? Non, en fait, non. On va suivre 1h30 d'un type qui se plaint, qui souffre, qui jeûne et qui veut en finir. Mais honnêtement, c'est 1h30 En d'un gros, il type. revient à la vie pour rien parce qu'il n'a plus envie de vivre. Et Voilà. parce qu'au final, de ce qu'on comprend, c'est plus le même, quoi. Une fois qu'on est mort, on est mort. Exactement. Donc, le texte sous-jacent, en fait, c'est un film promotionnel pour la religion. Ok. Donc ça, sur le principe, bon, bah, moi, il n'y a pas de problème. Faites, tant que vous me livrez un bon film, pas de souci. Mais là, c'est mauvais. Ouais, ça Là, prône la religion en on plus. s'ennuie, mais on s'ennuie. Il y a juste le dernier quart d'heure où, en fait, il t'explique ce qu'il y a au paradis. D'accord. Voilà. Et ça, c'est assez original parce qu'il y a peu de films qui le font. Oui. Et en fait, tu t'attends à un truc. Mais non, non, c'est pas intéressant en fait. D'accord, ça Même donne pas envie d'y aller au paradis, quoi. la vision de l'au-delà, elle est pas folle du tout, quoi. D'accord. Et donc, on s'ennuie. Donc, c'est typiquement américain. Film promotionnel religieux. Ok, mais l'ennui est total. Très bien, bon. Voilà. Donc, on espère vous avoir fait gagner du temps. Voilà. Et. Et c'est bien dommage, parce que surtout Midnight Club, on avait vraiment envie. Alors, par contre, là, on est sur quoi? Là, nous sommes sur You. On Oui. vient d'attaquer la saison 4, donc. Très bien. Et bah, je crois que c'est Toujours tout. sur 100% physique, parce qu'il y a les Ah deux oui. nouveaux Deux nouveaux épisodes. épisodes, et surtout The Last of Us, hein, évidemment, Et oui, ah bah oui. dont on fera le Sur retour Prime. complet à la fin des saisons. C'est ça. Nous, Très on est bien. fidèles. The Last of Us, on le regardera seulement lundi. On ne change pas le calendrier. Très Voilà. bien. Merci pour cette fidélité, hein. Merci. Et puis à bientôt. Oui, bonne soirée.